partie, ce que nous faisons, c'est l'effet de Dieu. On n'accuse personne. Mais des fois, on est victime nous-mêmes et on est la cause. Depuis l'arrivée de cet événement, malheureux, douloureux, j'ai appelé les secrétaires généraux et les cadres de ces jeunes dans moi d'abord d'aller constater les dégâts. Sur ce, on est allé sur le terrain, les dégâts étaient énormes, énormes. Vu ça, on a pris la décision de demander une réunion de crise. Une crise a été tenue à la DPS. On est allé, tous les membres étaient là. On a mis en place cette commission pour que nous puissions sécuriser les victimes. On a mis une commission pour recenser les victimes. On a passé maison en maison et on a mis 3-4 coins de ralliement pour préparer aux victimes. Je remercie infiniment les restaurants de Vokaria, à la personne Kassapa. D'abord, les restaurations pour les sinistrés. Il a mis à notre disposition 3 jours de dépenses. Chaque coin de regroupement, 2 sacs de riz, 1 bidon d'huile, 1,5 million, 4 cartons de poulet. Les 4 coins, chaque coin a reçu 2 poulets pareils. On a instruit M. le DPE de mettre les écoles à notre disposition pour l'abri des sinistrés. Et les 4 écoles, à savoir l'école franco-arabe, école 2, école 5 et Madina, le marché ou l'école, on a repris le point pour que nous puissions mettre la main sur les sinistrés. Mais les dégâts étaient énormes. La commission de recensement, Habitat était impliquée pour recenser les bâtiments impactés. Le pont était envahi. J'ai pris ma disposition d'arrêter les gros porteurs, de ne pas venir vers le pont. L'eau était trop pleine. C'est ainsi, les camions étaient garés, les moins porteurs y passaient, mais les gros porteurs étaient garés pour sécuriser notre vie. C'est le pont. Parce que le pont qui relie Kouafoukara à Conakry. C'est tout marchait bien. On est allé hier, les chefs de quartier ont pris la disposition. On a appelé les femmes qui se sont sacrifiées pour préparer la lèvre pour leurs soeurs, leurs frères. On est allé vers eux, ils ont préparé hier. La maison était, les mangers étaient distribués de tous les 4 points. Tout le monde a mangé, on est allé s'enquérir à la réalité. Hier, il y avait 3 jeunes qui étaient au large sur les herbes. On a allé demander les pilogues d'aller les chercher les gens. Dieu merci, ils ont été sauvés hier. La nuit sinistrée, je leur ai dit hier de ne pas toucher l'eau, parce que l'eau est suée, d'éviter les maladies et les puits sont envahis. Vous savez, de ne pas toucher l'eau, de ne pas se laver avec de l'eau. De laisser, on va trouver de l'eau. Et hier, on a lancé l'appel auprès des sociétés. Qu'on est à Rory, une suite de granit a réagi, a envoyé 2 tonnes de riz et 5 cartons d'huile. Et directeur en préfecture de l'habitat a envoyé 5 sacs de riz et j'ai mis à la disposition de la commission. J'ai aidé à toute la commission. On n'est pas là pour s'enrichir derrière les sinistrés. On est là pour les assister. Parce que ça peut nous arriver nous-mêmes. Sur ce, j'ai pris mon langue avec le commandant de la gendarmerie, de veiller toute personne qui essayerait de dissimuler quelque chose qui proviendra pour les sinistrés et n'a qu'à le mettre devant la juridiction. On a 2180 personnes déplacées. Et puis encore, on a mis le même comité de la supervature environnante. D'ici demain, on aura la fiabilité des données. Aujourd'hui, de ne pas construire auprès de la rivière au moins de 150 mètres. Mais si vous hasardez de construire plus que c'est dans rien de 150 mètres, vous serez victime. Et c'est ça qui nous fait. Et je condamne qui? C'est qui octroie les parcelles aux hommes qui sont pas, qui sont les profanes dans le quartier. Mais chacun veut construire. Mais l'État a dit dans leur texte, il ne faut pas construire auprès de la rivière. C'est une zone inhabitable. Mais si on cherche encore nous-mêmes, on octroie les demandes à tiers personnes pour construire auprès de la rivière. En cas de problème, qui est responsable? D'abord, ceux qui octroient et ceux qui payent. Et j'ai dit hier, les maisons qui sont impactées, ils sont de la zone rouge. Tous sont de la zone rouge. Et aujourd'hui, demain, parce que demain, on a demandé encore une réunion de crise, les deuxième réunion, on va mettre en place maintenant pour sécuriser les personnes. Pas les maîtres qui nous intéressent, mais les personnes, la vie des personnes qui nous intéressent. Demain, on va sortir, après l'événement là, tous ceux qui sont près de la rivière, on va mettre croix sur les bâtiments. Tous, on va mettre croix sur les bâtiments.